Par ici ! On aurait dû s'enfuir avant. Vous l'avez bien dit. Je sais, Bob. Je sais. Ah, vas-y. Allons-y. Ne laissez pas s'enfuir. Chrétien. Défoncez-moi cette porte. J'ai bien peur que ce soit la fin. Oui, je le crains aussi. Vous avez vraiment pu les faire sortir? Ils sont en sécurité, je vous le jure. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allons, pressons. J'aimerais que cette fois, tu évites de nous faire honte. Madame Lissol dit que les appuie-têtes continuent à empester l'astringent que tu as versé dessus. C'est ta sœur qui est à l'honneur, pas toi, Lucian. Sacrebleu, ils vont se décider à avancer. Regardez-moi cette bande d'empotés et cette satanée école. Pourquoi faut-il absolument que Patricia vienne faire ses études ici? Sa Winifred était très bien, non? Nous n'allons pas en rediscuter. Ici, c'est la meilleure école pour jeunes filles d'Angleterre. Ce qui est certain, c'est que c'est la plus chère. Votre croisière autour des îles grecques vous a-t-elle plu? Oh oui, merci, monsieur. Allez-vous nous faire une conférence sur le sujet? Allez vous garer là-bas, monsieur. Très bien. Oh, Pamela Price. Ah, voilà donc Patricia. Venez, jeune fille, n'ayez pas peur. Venez, je vous en prie. Rentrez. Je crains que vous ne trouviez tout bien ordinaire par rapport à la Suisse, princesse Shaista. Oh, si vous saviez comme j'étais impatiente de venir en pensionnat à Meadowbank. Les Suisses sont des vies réglées, comme du papier à musique. J'adore l'Angleterre. Ici, les gens sont plus fantaisistes. Nous avons tout de même des règles. Oui, bien sûr. Permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances. Condoléances? Pour votre fiancé. Le prince Ali, j'ai appris qu'il avait été tué. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nos fiançailles avaient été arrangées quand je n'étais qu'une enfant. Je trouverai peut-être mon mari ici, en Angleterre. Oui, pourquoi pas. Mais il ne faudrait pas brûler les étapes, n'est-ce pas, princesse? Je cherche Miss Bulstrode. Oh, je pense que vous êtes Miss Shepland. Je suis Letitia Chadwick, professeure de mathématiques. Je vous en prie, appelez-moi Anne. Tout le monde me connaît, j'étais déjà là au temps des dinosaures. J'espère seulement être à la hauteur de la réputation de Meadowbank. Oh, je suis sûre que vous le serez. Quand on voit votre bureau, on se dit que vous êtes très bien organisée. Avec Vera, il ressemblait aux Ardennes après une offensive des blindés allemands pendant la guerre. Vera? Celle qui avait ce poste avant vous. Que c'est agaçant, toutes ces histoires. Elle est partie subitement, à cause d'un homme, à ce qu'il paraît. Oui. Je pense que nous devrions rejoindre les autres. Oh. Nous passerons Noël ensemble. Les deux fleurs viendront également. Oh, oh. Je suis vraiment navrée. Pas de peinture sur vos gâtes, j'espère. Non, fort heureusement. Parfait. Ce sont des fournitures pour mes Michel-Ange en herbe. Signature, Miss Blake. Ah, Monsieur Poirot. Oh, la très estimable Miss Bulstrode. Quel immense plaisir et quelle joie de vous revoir. Cette journée se passe-t-elle comme vous l'espériez? Parler aux parents, c'est comme nourrir des chiens affamés. Cela consiste à laisser tomber des tonnes de platitudes apaisantes dans chaque gueule grande ouverte. Des platitudes? Mais certainement pas, Miss. La réputation de votre merveilleuse école ne repose-t-elle pas sur la façon de vous considérer vos jeunes filles, c'est-à-dire comme des individus? C'est très gentil à vous.
Et merci d'avoir accepté de venir. Oh, mais de rien. Le maire n'a pas pu venir à cause de ses ulcères, mais selon moi, ce n'est qu'un prétexte. Plaît-il ? Arsenal contre Sheffield United, coup d'envoi à 15h. Je sais fort bien quel camp il a choisi. C'est impossible. Je refuse de rester ici, je refuse. Toutes les autres ont l'air de s'y plaire. Je ne suis pas comme toutes les autres, je suis particulière. Je suis la princesse Shaista. Et vous voulez m'emprisonner dans ce minuscule et ridicule taudis. La fenêtre est affreusement étroite. Le matelas est dur, aussi dur qu'un diamant. Shaista. Princesse Shaista. Non, jeune fille, non. Ça, maintenant, c'est terminé. Les élèves sont toutes traitées de la même façon. Mais en Suisse, oui, où j'étais... Nous ne sommes pas en Suisse, mais en Angleterre, n'est-ce pas? Venez donc, nous allons être en retard. Allez, salut Hélène, vous voulez bien arrêter de jouer les petites dindes? Allez ailleurs. Oh! Attention, miss. Ah, merci. Bonjour, miss. Hey, la française, ne le reluquez pas comme ça, ça se voit un petit peu trop. Lorgner les petites gens n'est pas une chose à faire dans cette école. Ne touchez pas, miss Springer. Je n'ai pas l'habitude d'être traitée de cette façon. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas parler scolarité. Quelques mots seulement avant que notre célèbre invité ne remette le trophée Pemberton. Je suis certaine que nos élèves et leurs parents seront très heureux d'avoir à nouveau parmi nous Miss Rich, qui, nous l'espérons, a recouvré la santé. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Mademoiselle Blanche, notre nouveau professeur de français. Il me reste maintenant à vous présenter notre invité d'honneur, une personnalité de renommée internationale, Monsieur Hercule Poirot. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et le plus important de tout, bonjour à vous toutes, jeunes filles. Si Poirot bénéficie d'une renommée internationale, on peut dire qu'il partage cet honneur avec l'extraordinaire Meadowbank. Mais qui est-ce? C'est un détective. Tu ne le savais pas? Non. Jennifer, franchement, tu tombes de la dernière pluie. Oh, parce que tu crois avoir tout vu et tout entendu, moi, ma mère a été cambriolée le mois dernier. Mais ça n'a rien à voir. Tu ne lis donc pas les journaux? Monsieur Poirot a résolu des affaires très compliquées où il est question d'assassinat. Et maintenant, pour ajouter à la gloire de cette école, après un tournoi international ô combien palpitant, je trouve qu'il ressemble à un pingouin. Votre équipe a remporté un trophée très célèbre, le très convoité bouclier Pemberton Lacrosse. N'est-ce pas le grand docteur Arnold qui a dit... Oh, je meurs d'envie de fumer une clope. Oh, voyons, Miss Springer, certaines d'entre nous aimeraient bien écouter. Ah oui, nous devons nous conduire le plus sagement possible. Mais enfin, on peut savoir ce qu'il vous prend, Miss Springer. Poirot aimerait ajouter... Je pourrais vous poser la même question. Il faut qu'il y ait avant tout envie de connaître. Tout le monde sourit, s'il vous plaît. Bien. Monsieur, je vous en prie, racontez-nous certains de vos meurtres. Seulement les plus croustillants, si vous voulez bien. Les plus croustillants, je vous demande pardon. Mais oui, bien sûr. Le poisson s'est dépassé. Les armes à feu, c'est positivement vulgaire. Mais planter dans la tête de quelqu'un un instrument tranchant, ça... Oh, s'il vous plaît, jeune fille. Ça suffit maintenant. Je vous en suis très reconnaissant. J'ai compris que vous aviez besoin d'être secouru. Julia Hopjohn est une fille intelligente, mais également incontrôlable. Et son amie est un peu mystérieuse. Mystérieuse? Comment cela? Jennifer Sutcliffe est profonde. Elle s'est retrouvée en pleine révolution à Ramat ces temps derniers. Ah oui, le prince Ali Youssouf tué par les révolutionnaires, c'est bien cela? Oui, une horrible affaire. Jennifer était allée rendre visite à son oncle. Le pauvre homme a lui aussi été tué. Elle et sa mère sont reparties juste à temps. Vous semblez distraite, quelque chose vous ennuie? Non. Non,
Allons, miss. Nous sommes de vieux amis. Eh bien... Oui. En fait, j'ai décidé de passer le flambeau. De prendre ma retraite. Votre retraite? Mais vous êtes beaucoup trop jeune pour cela. Ce n'est pas que je me sens diminuée physiquement, bien au contraire. Et l'école ne s'est jamais aussi bien portée. Oui, je comprends. Vous n'avez plus de défis à relever. Et surtout, ne joue pas au tennis, s'il fait trop froid. Tout ira bien, maman. Arrêtez de vous inquiéter. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je suis une inquiète, Julia. Tu as bien tout ce qu'il te faut. Oui. Je peux retourner avec les autres? Oui, bien sûr. On se retrouve plus tard. À tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver Miss Bulstrode. Au revoir. Et qui va vous succéder? Tout le monde pense que ce sera Miss Chadwick, évidemment. Nous avons créé cette école ensemble, absolument adorable, cette chère Lettice. Mais vous pensez que... Oh, Meadowbank marche bien parce que j'ai pris des risques. Ce n'est pas une école conventionnelle. Miss Chadwick conserverait Meadowbank dans de la gelée si elle pouvait, et ce serait vraiment abominable. Et je suppose qu'il y a d'autres candidats. C'est cela le problème, je ne vois personne d'autre. Dites-moi, Monsieur Poirot, serait-ce abusé de votre gentillesse que de vous demander de rester ici quelque temps pour évaluer le personnel et ainsi m'aider à prendre la bonne décision? Les jugements que vous portez sur les gens sont toujours excellents. Et votre connaissance de la nature humaine n'a pas son pareil. Oh, d'où j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Lady Veronica Carlton Sandways. Ah. Oh, elle est absolument adorable, sauf quand elle est pompette. Oh, Miss Bulstrode, je vous trouve enfin. Vous semblez inquiète. C'est Lady Veronica qui m'inquiète, Madame Upjohn. Oh oui, je me souviens d'elle. Elle avait abusé de la bière au dernier concert de Noël. Elle était complètement imbibée. Je n'en crois pas, messieurs. Voilà qui est extraordinaire. Mais c'est impossible, voyons. On dirait l'ange. Mais l'ange n'est plus de ces mois. Lady Carlton, je suis confuse. Je suis maladroite, vous voyez. Et mon verre est vide. Ce vin est délicieux, j'en prendrai bien une petite goutte. Je vais de sa part me renseigner. Suivez-moi, nous allons... Une petite goutte. Cher Chaddy, mais que ferais-je si vous n'étiez pas là? Nous connaissions tous les agents d'après leur dossier, bien sûr. Mais là, franchement, c'est la plus étonnante des ressemblances. Non, ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolée, je parle pour ne rien dire. Au revoir, nous nous reverrons sans doute à Noël. Oui. C'est sa conception. Il faudra nettoyer ça. À plus tard, mademoiselle. Voulez-vous m'excuser un instant? Monsieur Poirot. Miss Bulstrode, je n'ai rien de prévu pour l'instant. Et Georges, mon valet, va pouvoir m'envoyer quelques affaires par le train. Donc, Poirot sera très heureux de rester quelque temps et de vous conseiller. Oh, merci, cher ami. Je suis très reconnaissante. Déséquilibrée. J'ai du mal à la tenir. Elle est tout de même mieux que la mienne qui a l'air d'une éponge. J'aimerais mieux jouer avec la tienne. Accordé, en échange. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense à mon pauvre oncle, Bob. Il avait tellement d'atouts, il était si bien. Il travaillait pour le prince Ali. Hein? Oui, mais il y avait autre chose. Il n'en a pas vraiment parlé, mais ça se voyait à son sourire. Il avait une amoureuse? Oui, je crois. Ouh, une folle passion. Oh, comme c'est triste. Bon. C'était quoi le score? C'était jeu blanc. Et les bras d'abord. En troisième, fermez et tournez. On recommence. Demi-plié. Relevez et tournez. Grand battement devant.
tendu et fermé. Oh, bonjour, Miss Chapland. Bonjour. Alors, vous restez avec nous? Oui, mais seulement quelques jours, pas davantage. Poirot est ici pour observer. Non, vous espionnez? Oui, pour le compte de mon ami, Sa Majesté Léopold III, le roi des Belges. Il est tout à fait possible que la princesse royale vienne faire ses études ici. Un grand honneur. Oui, bien sûr. Et vous, vous êtes nouvelle, je crois. Comment trouvez-vous l'école? C'est un peu déconcertant, je dois dire. Hein? Être dans une nouvelle école est toujours un peu difficile, que l'on ait 5 ans ou 35 ans. De plus, j'ai été la secrétaire particulière de Sir Mervyn Tollhunter. Ah. Avant cela, j'étais la secrétaire particulière d'un mania du pétrole, et encore avant, j'étais celle d'un ministre. Ah, j'ai fort bien compris. Vous n'avez travaillé que pour des hommes. Oui. À vous, Forbes, et soyez un peu dégourdi pour l'amour du ciel. Si vous arrêtiez de vous bourrer de cochonneries toute la sainte journée, vous seriez moins grasse. Allez, recommencez. Santé et discipline, Forbes. Santé et discipline. Recommencez. Entrer, venir, rester, naître, arriver... Ah ah, mourir. Vous avez oublié mourir. Mourir ou décéder. Waouh, ils sont allés le chercher où celui-là? Quel bel homme! Il s'appelle Adam Goodman. Je me demande s'il l'est. Bon, comme son nom l'indique. J'espère que non. Julia! J'espère que c'est un mauvais garçon. Il en a l'air en tout cas. Il s'appelle Adam? Il a sans doute un fruit défendu qui traîne quelque part. Oh non, Forbes, non! Pas sur le sol! Allez chercher une serpillière! Allez chercher une serpillière! Regarde, Lizzie. Regarde les petits hommes de la vallée. L'un d'eux traîne un panier, un autre porte une assiette, un troisième tire un plat en or qui doit peser plusieurs livres. Non, dit Lizzie. Non, non, non. Ne nous laissons pas charmer par leur présent. Leur présent maléfique. Leur présent maléfique nous feront souffrir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Oui? J'avais envie de voir à quoi ressemblait le pavillon des sports. Vous aviez le temps de le faire le jour de la remise du trophée. Ce n'est pas un endroit où tout le monde peut y déambuler comme bon lui semble, mangeuse de grenouilles. Je vous en prie, ne m'appelez pas ainsi. Vous m'offensez. Oh, je vous demande pardon. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Bon après-midi. C'est une belle école. Ça a dû coûter vachement cher. On leur donne ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas? Aux jeunes demoiselles. Elles payent pour cela. Les yeux de la tête, à ce qu'on dit. Vous n'avez pas du travail à faire? Mais certainement, Miss Chapland. C'est un agencement de baleines et de fils de fer qui doit pousser la poitrine vers le haut. J'en vois pas la nécessité. Oui, avec ça, il y a de quoi attirer tous les regards, non? Mais c'est parce que ma poitrine n'est pas très grosse. Elle n'est pas suffisamment grosse. Votre poitrine n'est pas un sujet de conversation correct. J'en ai assez, c'est trop pénible. Il faut toujours courir, sauter. Et je n'aime pas du tout Miss Springer. Elle transpire comme un cochon. Cela suffit, Shaista. Princesse! Non. Oh, c'est Miss Chadwick. Chaddy? Miss Chadwick? Oui, Honoria. Où allez-vous? À l'infirmerie pour voir la petite Patricia Forbes. Oh, Miss Springer l'a rendue malade. J'ai été obligée de la sermonner. Oh, cette Miss Springer. Ça n'est pas une réussite, je le crains. Je n'aurais jamais dû lui accorder une seconde chance après ce fameux incident le trimestre dernier. Je n'ai pas été assez vigilante, assez ferme, n'est-ce pas? À votre avis, comment se passe cette première semaine? Plutôt assez bien, apparemment.
Oh, il y a quelque chose, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus. C'est juste une impression, il y a quelque chose qui cloche. Dans l'ensemble, les filles sont charmantes. Mais je n'aime guère cette mademoiselle blanche. Elle est sournoise. Oh, je suis sûre qu'elle finira par s'adapter. Vous n'avez jamais aimé les professeurs de français. De quelle ville française venez-vous? De Crécy. Ah, il y a eu une bataille durant la guerre de Cent Ans. Oui. Vous avez l'air en forme, Aileen. Vous avez minci, il me semble. Oh, c'est sans doute dû à la maladie. Quelle sale bonne femme. Pardon? Chadwick, elle croit que l'école lui appartient. Pas encore que je sache. Elle a eu le toupet de sortir une élève de mon cours d'éducation physique. Ce n'était pas comme ça dans la dernière école où j'ai enseigné. Ah bon? Non, je les avais mis au pas. J'ai du mal à croire que vos façons de faire aient toujours été acceptées comme vous l'auriez souhaité. C'est scandaleux. Miss Bulstrode est d'accord avec moi, Miss Springer. Nous n'agissons pas de cette façon à Meadowbank. Ce sont nos filles. Nous devons les éduquer, pas les torturer. Il faut toujours être armé contre l'ingratitude. L'ennui, c'est que les gens sont lâches, ils ne regardent pas la réalité en face. Ils préfèrent ne pas voir ce qui se passe sous leur nez. Moi, ce n'est pas mon genre. Je vais toujours droit au but. Plus d'une fois, j'ai fait éclater des affaires scandaleuses. Je n'abandonne jamais, pas avant d'avoir épinglé la proie que je pourchasse. L'espagnol et la digestion de poireaux ne sont pas en très bons termes. J'espère que vous appréciez votre séjour parmi nous. Je m'en voudrais si vous le trouviez trop ennuyeux. Trop ennuyeux? Oh, pas du tout, Miss Bulstrode. Nul besoin qu'il y ait un crime pour qu'un détective se sente à son affaire. Ah, cette école. Cette école est comme le monde en miniature. En fait, c'est un, comment dire, je ne trouve pas le mot... Un microcosme? Oui, exactement. C'est comme dans le monde qui nous entoure. Espoir, rêve, crainte, secret. Cet endroit est rempli de promesses, celles de la jeunesse, l'avenir de la nation. Et cependant, bien silencieux et désert sont les couloirs quand la nuit est tombée. Silencieux et désert comme les chambres du cœur. La lutte quotidienne de la vie humaine. Est aussi fascinant qu'une tache de sang. Aucune empreinte digitale. Ah, pardonnez-moi, Miss Bulstrode. Poirot se laisse aller à des digressions. Je crois qu'il est temps de vous dire bonne nuit. Miss Chadwick. Miss Chadwick. Oh, qu'y a-t-il, Johnson? Que se passe-t-il? Christina Breen souffrait des oreilles. Oh, et vous me réveillez pour cela? Non, vous avez vu l'heure qui est? Non, il s'agit d'autre chose. J'ai aidé la petite à s'endormir et ensuite c'est là que je l'ai vue. Il y a quelqu'un dans le pavillon des sports. J'ai vu de la lumière lorsque j'ai fermé les rideaux. Vous avez raison. On dirait la lueur d'une torche. Vous croyez que ce sont des voleurs? C'est plutôt un rendez-vous entre une fille et un propre à rien. Allons voir.
Miss Bulstrode? Que vous arrive-t-il? C'est Miss Springer. Venez avec moi. À vos ordres. Ce n'est pas bon pour votre école, ça. Oh, nous surmonterons cette épreuve. Nous avons surmonté bien d'autres tempêtes. Mort d'un professeur d'éducation physique dans le gymnase. Nous avons là un crime très athlétique. Une grande discrétion me semble indispensable dans cette affaire. C'est pourquoi notre ami du continent se trouve ici? Monsieur Poirot a une réputation internationale, inspecteur. Ah, Mussolini aussi. Nous n'avons pas été présentés. Je suis l'inspecteur Kelsey. Enchanté, inspecteur. Hercule Poirot. Si je comprends bien, c'est Miss Bulstrode qui a souhaité votre participation. Oui, mais je ne marcherai pas sur vos plates-bandes, inspecteur. Merci. Vous avez vu des choses qui pourraient être utiles? Un ou deux petits détails. D'après vous, que devrait-on la faire? La priorité, selon moi, serait d'aller voir le corps de la victime. Ah. Sans dessus dessous. La serrure a été forcée. Aucun doute sur la façon dont le criminel est entré. Le javelot l'a transpercé. Je pense que la mort a été instantanée. Elle a dû survenir il y a 2 heures. Miss Chadwick, vous avez découvert le corps avec Miss Johnson. Quelle heure était-il? J'ai regardé ma montre quand Miss Johnson m'a réveillée. Il était 1h10. Bon, très bien. Il y a les empreintes de la victime sur la lampe. Elle est donc entrée ici avec. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Elle avait peut-être oublié quelque chose ici, ou alors elle est revenue le chercher. En pleine nuit, ce n'est pas très vraisemblable. Elle est peut-être venue ici parce qu'elle avait aperçu de la lumière, comme Miss Johnson. Elle serait venue voir ce qui se passait. La personne qui était là a été surprise. Elles se sont battues. Miss Springer avait du cran, mais très vite, l'autre lui a transpercé la poitrine. C'est plausible? Oui, je pense que c'est... Poirot n'est pas convaincu. Que Miss Springer ait vu de la lumière dans le pavillon, ait été intriguée, bon. Mais que la personne qu'elle dérangeait l'ait tuée, et d'une manière aussi brutale, non. Non, on fait fausse route. Oh, un javelot lui a transpercé le cœur. Quelle horreur! Qui pouvait avoir envie de faire une chose aussi affreuse? Qui pouvait pas en avoir envie? La grosse Forbes aurait pu l'écraser sous son poids. Mais je la crois incapable de tenir un javelot. Oh, les filles! Oh, j'ai une drôle d'impression. Je suis sûre que quelqu'un est venu fouiller dans ma chambre. Oh, oh, oh. J'ai appris la nouvelle. C'est terrible. Oui. Oh, Miss Springer. Non, je ne parlais pas d'elle. En réalité, celle qui voulait assassiner, c'est moi. Je suis navrée que vous ressentiez cela, Madame Ford. J'en suis navrée, moi aussi, mais vous devez comprendre. L'idée que ma petite Patricia soit dans le même établissement qu'un meurtrier me révolte. Oui, 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 je comprends fort bien. Au revoir, chère Patricia. J'espère vous revoir le prochain trimestre. Direction Saint-Wilfrid. Oui, Harry, Saint-Wilfrid. C'est très grave cette fois-ci. C'est la crise la plus grave à laquelle l'école a été confrontée. Un instant, je vous prie. L'émir Ibrahim est à Londres. Il voudrait envoyer chercher la princesse Shaista demain matin. Elle nous quitte définitivement? Non, il veut seulement déjeuner avec elle. Oh! Oui, bien sûr. Mais il faut qu'elle soit rentrée avant 20h. Allô? Oui, vous pouvez venir la chercher. Au revoir.
Allô, Meadowbank, j'écoute. La psychologie, inspecteur, c'est fascinant, n'est-ce pas? Une élève qui détestait Miss Springer? Une collègue qui était jalouse? Ou alors un amoureux éconduit? Même les professeurs de gymnastique ont une vie amoureuse. Nous verrons. Personne n'a d'alibi sauf celles qui ont trouvé le corps, Miss Johnson et Miss Chadwick. Théoriquement, tout le monde dormait à cette heure-là. Mais personne ne peut en témoigner. Les filles et le personnel ont tous des chambres individuelles. L'une de ces demoiselles aurait pu aller au gymnase, retrouver Miss Springer ou aurait pu la suivre. Après l'avoir tuée, elle aurait pu se faufiler derrière les buissons, rentrer ici par la porte latérale et être au lit quand l'alarme a été donnée. Tenez, inspecteur. Bon, voyons cette liste. Miss Blake, en premier. Art et danse. Oh, je suis désolée de vous déranger. L'une de nos élèves souhaiterait vous voir. Elle insiste vraiment. Il y a certaines personnes qui surveillent cette école. Oh, bien sûr, ces gens ne se montrent pas, mais je sais qu'ils sont ici. Et pourquoi feraient-ils une chose pareille? Parce qu'ils veulent se débarrasser de moi. Miss Springer avait dû découvrir leur présence. Ils lui ont peut-être promis beaucoup d'argent pour qu'elle garde le silence. Donc, elle est allée au pavillon pour recevoir l'argent de leurs mains et là, ils l'ont tuée. Jeune fille, je n'ai pas le temps d'écouter toutes ces sornettes. Des sornettes, non. Mon cousin était le prince Ali Youssouf de Ramat. Je suis numéro 1 sur la liste des prétendants à la couronne. Ces bouchers craignent de me voir à l'origine d'une rébellion. Il y a peut-être du vrai dans ce que dit cette jeune fille, inspecteur. Oh, pardon. Je suis vraiment désolé. Pardonnez ma maladresse. Tout ce que vous m'avez dit jusqu'à présent montre que Miss Springer était vraiment très sûre d'elle. Bien trop sûre. Elle faisait allusion à des gens qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Vraiment? Elle disait que dans sa dernière école, elle avait démasqué quelqu'un, mais que les autres enseignants étaient contre elle. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est le début d'un complexe de persécution. Et naturellement. Et encore de la psychologie. De toute évidence, quelqu'un avait une dent contre elle et a voulu se venger. Avec un javelot. Je peux pas dire que je l'aimais bien, elle était brusque. Dans sa façon de traiter les filles, sadique. Je reconnais que c'est bien malheureux ce qui lui est arrivé, mais est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, je vous prie? Merci. J'ai mon propre bureau, donc j'ai très peu de contact avec les autres. C'est une histoire incroyable. Comment cela, Miss Chaplin? Eh bien, qu'on ait assassiné Miss Springer, pour commencer. Et ensuite, il paraît que quelqu'un se serait introduit dans le gymnase et que Miss Springer serait allée voir. C'est bien joli, mais qui est pour y faire quoi? Des enfants du coin qui voudraient se procurer un équipement sportif. Si c'était le cas, je suis persuadée que Miss Springer leur aurait donné une paire de gifles. Elle ne serait pas morte transpercée par un javelot. Aviez-vous noté quelque chose d'étrange ces temps-ci? Nous vous écoutons. C'est trois fois rien, mais l'un des jardiniers, le plus jeune... Quel jeune jardinier? Il s'appelle Adam Goodman, inspecteur. Il est nouveau et il vient tout juste d'arriver. Il semblait très intéressé par le pavillon. Simple curiosité, sans doute, ou envie de se reposer un peu, mais... Mais? Son comportement était étrange. Il était provocant. Il tournait en ridicule les dépenses faites pour les élèves. Ah, je vois. C'est mon premier trimestre ici. Et je vais sans doute tout faire pour que ce soit le dernier. Ah. Ce n'est guère agréable d'être dans une école où des gens sont tués. Est-ce que vous connaissiez bien Miss Springer? En fait, je la connaissais très peu. Elle était grossière et laide, une véritable caricature de la femme anglaise. Elle était grossière avec moi. Elle détestait que j'aille dans son pavillon des sports. Son pavillon des sports. Mais... Pardonnez-moi, mademoiselle... Mais
Pour quelle raison alliez-vous dans ce gymnase? J'avais envie de visiter le bâtiment, c'est tout. Le dernier trimestre, Miss Rich, vous étiez souffrante. Oui. Et quelle était la nature de votre maladie? Mais c'est personnel. Nous sommes ici pour mener une enquête sur un crime. Rien ne doit être caché, tout doit être dit. Vraiment? Et vous, que cachez-vous? Qui, moi? Oui, c'est Balivernes au sujet d'une princesse belge qui pourrait venir dans cette école. Ah! Vous avez donc percé à jour la petite Duprie de Poirot. Oh, ce n'était guère difficile, sans vouloir vous offenser. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas surprise qu'une telle chose se soit produite. Depuis que je suis revenue, c'est comme si... comme s'il y avait parmi nous quelqu'un d'étranger. Un chat parmi les pigeons. Bonjour. Bonjour. Vous permettez que je vous tienne compagnie? Nous sommes dans un pays libre. J'espère que vous avez apporté votre œuf dur. Je n'ai pas assez à manger pour deux. Ça ira. Ah, la pomme. Adam, c'est cela? Oui. Anne. Excusez-moi, Miss Chaplin. Je dis ça parce que ça n'a pas l'air d'être votre truc, d'être enfermé dans une école de filles. Et comment savez-vous ce qu'est mon truc? Vous n'êtes pas trop le genre de la maison. J'adore la diversité. Oh. Je pourrais dire la même chose de vous, vous savez. Ah ouais? Un jeune homme beau et séduisant. Oh, beau et séduisant. Qui passe ses journées à planter des chrysanthèmes dans une école de filles. Des angéliques. Le chrysanthème ne prend pas à cause du sol. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il y a une crise. Je prends le travail là où il y en a. Pardon de vous avoir froissé, Adam. Pardonnez. Tu sais, ça m'est égal. Pleure pas, je te la rends si tu veux. Non, non, on a fait un échange régulier. Je vais dire à ma maman de m'en envoyer une nouvelle. C'est drôle quand même. Les policiers ont fini de fouiller le pavillon. Et ta raquette? C'était ta raquette avant qu'on échange. Et la seule et unique chose qui manque, c'est tout ce que le criminel a emporté avec lui. Je ne crois pas que quelqu'un ait tué cette pauvre Springer pour une raquette de tennis. Je n'y suis pour rien dans ce meurtre, je vous l'ai déjà dit! Incroyable! Allons, allons. Je vous remercie. Que se passe-t-il, monsieur Goodman? Avant de poursuivre, je voudrais vous montrer ceci. Voilà autre chose. Monsieur Goodman, seriez-vous assez aimable pour nous dire à l'inspecteur et à moi ce qu'un agent des services secrets de Sa Majesté fait ici, dans ce pensionnat de jeunes filles? Cela ne sert à rien de ressasser, Chaddy. Nous nous en sortirons si nous gardons notre sang-froid. Il y a une... une chose qu'il faut que vous sachiez. Eckliff Colony pour handicapés mentaux, à l'attention de A. Chaplin. Vous êtes ici à cause du décès du prince Ali Youssouf de Ramat, n'est-ce pas, monsieur Goodman? Effectivement, il a été tué alors qu'il essayait de fuir son pays. C'est dommage parce que le prince Ali aurait été un dirigeant éclairé. C'était un démocrate. C'est probablement ce qui a causé sa perte. Avant que tout tourne au cauchemar pour le prince, on avait surpris quelques conversations très intéressantes. Apparemment, quelqu'un essayait de se rapprocher du prince via l'un de ses amis, un certain Bob Rawlinson. Se rapprocher du prince? Mais dans quel but? Pour déstabiliser le régime, c'est du moins ce qu'on a pensé. En fait, on ne savait pas grand-chose. Juste un nom. Ange.
Et maintenant, celle qui devrait succéder au prince Ali est ici, à Meadowbank. La princesse. Bon sang. Elle a dit qu'elle était surveillée, elle a peut-être raison. C'est peut-être pour ça que Miss Springer a été tuée. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous êtes dans cette école. C'est pour Jennifer Sutcliffe, non? La nièce de Bob Rawlinson. Je vois que vous êtes très bien informé, monsieur. Oh, excusez-moi, miss. Vous nous quittez? Je vais déjeuner avec mon oncle. Nous allons au Claridge. Oh. Je suis sûre que là-bas, je ne mourrai pas d'une mort. Où voyez-vous, chère demoiselle, je crois que cela dépendra de la qualité de la cuisine. Poirot, j'ai un petit travail à vous demander. Il va continuer à être notre jardinier? Si vous n'y voyez pas d'objection, il est ainsi au cœur des événements. Vous vous attendez à d'autres meurtres? Non, Miss Bulstrode. Bien. Parce que je doute que notre école puisse survivre à deux assassinats en une huitaine de jours. Miss Eileen Rich nous a dit que... Merci. Qu'il y avait, selon elle, une étrange atmosphère. Oui, c'est ce que je ressens. Et Miss Chadwick m'a dit la même chose. Non, je vous remercie. Miss Bulstrode, avez-vous noté une attitude bizarre chez quelqu'un? Ce n'est qu'une impression assez vague. Attendez. Oui? Il s'est passé quelque chose d'assez étrange le jour de la rentrée, lors de la fête pour la remise du trophée, au moment où l'insupportable Lady Veronica est arrivée. Elle était bonne. Nous considérons que le sport... Excusez-moi, pardon. Ah, Miss Bulstrode, je vous trouve enfin. Ah, vous semblez inquiète. Je n'écoutais pas vraiment. Madame John me semblait très lointaine, vous voyez. J'étais très préoccupée par l'attitude de Lady Veronica. Mais lorsque Madame John est partie... Je n'ai pas pu me défaire de cette sensation d'avoir manqué quelque chose d'important. Elle avait vu quelqu'un. Quelqu'un qu'elle croyait décédé. Incroyable, ça me ramène des années en arrière. Nous connaissions tous les agents d'après leur dossier, bien sûr. Mais là, franchement, c'est la plus étonnante des ressemblances. Elle parlait d'espionnage. Je ne vois que cela. Mais ça semblait absurde. Je suppose que les services secrets recrutent dans toutes les couches de la société. C'est possible que Madame Upjohn ait travaillé pour eux, sans être pour autant une sorte de super-héros de cinéma en jupon. Je vais mettre Goodman dessus. Elle a prononcé un mot. C'était un surnom. Essayez de vous en souvenir, c'est d'une grande importance. Je n'en crois pas, messieurs, voilà qui est extraordinaire. Mais c'est impossible, voyons. On dirait l'ange. L'ange. Elle a dit l'ange, c'est bien ça. Une personne qu'elle a reconnue. L'un des parents d'une élève, ou bien un proche. Ou un enseignant. Un enseignant, cela m'étonnerait. Mais c'est possible. Facile à résoudre, convoquons Madame Upjohn. Ah. Y aurait-il un problème? Madame Upjohn est partie en voyage en Anatolie. En autocar. Ah. Où ça? En autocar? Excusez-moi, Miss Bulstrode, mais la voiture de l'émir vient d'arriver et on ne trouve pas la princesse Shaista. Il doit y avoir une erreur. Le chauffeur est venu la chercher il y a environ une heure. Ah, ils ont dû faire une double réservation. Je vais renvoyer ce chauffeur-là. Monsieur Poirot, pourrais-je vous dire un mot? Bien sûr, Miss Bulstrode. Je vous jure que je l'ai trouvé. Trouvé où, Sweet Eye? Dans les plates-bandes. J'ai pensé... Oui? On dirait le visage de Miss Springer. J'ai pensé que ça pouvait être... un indice. En effet, c'est possible. Vous permettez? Merci. Le visage de la malheureuse Miss Springer a été plutôt bien reproduit, n'est-ce pas? Oh, oui. Hmm?
Honoria. Qui a-t-il? La princesse Shaista. Elle a disparu. L'émir machin chose a téléphoné affolé. Il n'a aucune nouvelle de Shaista. Sa perlotte. Oh, je vais m'évanouir s'il arrive encore quelque chose. Ça donne la chair de poule, ces histoires. Elle a dû se faire enlever. À votre avis, les filles, la traite des blanches? Mais non, tu rigoles. Pourquoi pas? D'abord parce que Shaista n'est pas blanche. Oh, on ferait mieux d'aller se coucher avant que Chadwick nous voie. De quoi avait l'air le chauffeur que vous êtes? Un mot, monsieur Goodman. Elle a été kidnappée juste sous votre nez. Oui. Il faudrait éviter davantage de publicité. On va dire à tout le monde que la jeune fille est avec son oncle, Claridge. Merci. Je vous verrai dès que j'aurai du nouveau. Oh. Miss Chadwick va me remplacer pour la soirée. Je dois aller en ville pour assister à une réunion du conseil d'administration. Excusez-moi, madame. Je ne peux pas y échapper, j'en ai peur. Ils sont très inquiets. Est-ce que Poirot a une théorie sur la disparition de la princesse? C'est très étrange, mais il n'avait pas l'air de se faire le moindre souci pour elle. Je crois que ce serait absurde de nier. En effet. Comment avez-vous... À cause du rembourrage. Il sent la peinture à l'huile. Et je suppose que cette peinture à l'huile provient de la caisse qui se trouvait sur mon passage le jour de mon arrivée. Ce sont vos dons artistiques qui vous ont trahi. Un tel talent au service d'une telle haine. C'est vrai que je la haïssais. Je me suis beaucoup défoulée en piquant cette poupée, croyez-moi. Et je m'en suis débarrassée quand Miss Springer est morte. Enfin, je le croyais. Mais dites-moi, Miss Blake, que vous a donc fait ce professeur pour mériter d'avoir une telle effigie? Ah, c'était une bêtise, rien de plus. Elle était un vrai tyran et elle était vulgaire. Je ne supporte pas les gens comme ça. Bonsoir, la voiture est juste là. Belle soirée. Très douce. Oui. Où m'emmenez-vous? Dans un beau restaurant. J'ai fait ça pour m'amuser, monsieur Poirot. Je ne pouvais pas savoir qu'elle allait se faire embrocher. Oh. Julia! Oh, c'est toi! Oh, je suis soulagée. Un meurtre ne suffisait pas. Faut qu'il y ait un enlèvement. Est-ce que quelqu'un est allé voir dans la chambre de Shaista, dans ses affaires? Je suppose que la police a dû le faire. Mais si elle est comme les autres jeunes filles, elle n'a pas laissé traîner n'importe où des lettres d'amour. Non. Non, elle les aurait mises à l'abri des regards indiscrets. À tout à l'heure. Tu aurais un canif, Jennifer? Pourquoi tu fais ça? Tu penses que quelqu'un a fouillé ta chambre, hein? Oui. À la recherche de quelque chose... qu'il n'a pas trouvé. La vache!
magnifique soirée. Pardon, j'ai deux pieds gauches. Au moins. Vous êtes formidable. J'ai une grâce naturelle, mon chou. Que pensez-vous du meurtre de Miss Springer? Oh, je me tiens en dehors de tout ça. Quelque chose à cacher? La curiosité est un vilain défaut. C'est peut-être ce qui l'a tué. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exercer mes éventuels talents de détective, de fin limier. Il me semble que je pourrais être très douée. Alors, allez-y. Testez vos talents sur moi. Je suis sûre que vous cachez quelque chose. Mais n'est-on pas tous dans ce cas? Vous êtes bizarre, tout à coup. Il y a une chose que je voudrais vous dire. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour cette journée. Merci pour les personnes rencontrées. Merci pour le bien que tu m'as permis de faire. Toi qui es miséricorde, ne regarde pas mes fautes d'aujourd'hui. Entrez. Excusez-moi, monsieur Poirot. Ah, vous êtes Miss Julia Upjohn, n'est-ce pas? Oui. En quoi puis-je vous être utile, jeune fille? Savez-vous qu'il est fort tard pour venir voir Poirot? Oh. Il n'y a pas de quoi se vanter quand on a une mère enfermée dans un asile. Je suis sûr que personne ici ne vous en fera le reproche. Vous croyez? Certaines des grosses huiles pour lesquelles j'ai travaillé me le reprocheraient. Même ici, à Meadowbank. Imaginez les commérages, si ça se savait. Pauvre maman. C'est à vous. Venez. Ceci à son réveil. Bien, docteur. Mince, alors incroyable. Ma femme a des bijoux en strass qu'elle porte pour les grandes occasions comme Noël. Ils sont très jolis, mais... Mais ils n'ont rien à voir avec de vraies pierres précieuses, n'est-ce pas, inspecteur? Oui, c'est effectivement une petite merveille. Une partie du trésor du prince Ali Youssouf qui a été sorti discrètement de Ramat quand la révolution a éclaté. C'est donc de ça qu'il s'agit. Quelqu'un court après les pierres précieuses. Mais je ne vois pas le rapport avec Miss Rich. Ce n'est pas aussi grave qu'on le craignait. Ils disent qu'elle va s'en sortir. Ah, bien. Bien sûr, elle ne peut pas parler, pour le moment. Elle a été frappée par derrière? Oui, avec l'un des sacs de sable qui sont près des seaux à incendie. Mais que faisait-elle dans le pavillon? Miss Chadwick l'a trouvée devant le placard de la princesse Shaista. Pauvre Chadi, elle est en état de choc. Je lui avais confié l'école, alors elle s'accuse d'avoir manqué de vigilance. Oh, un meurtre, maintenant ceci. Et l'enlèvement d'une princesse pour couronner le tout. Miss Goldstrode, j'attends des nouvelles à ce sujet d'un moment à l'autre. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous remarqué les genoux de la princesse Shaista? Les genoux? Oui. Non, pourquoi l'aurais-je fait? Poirot les a remarqués. Les rubis de Ramat, gardés par 10 générations de la famille royale. Sortis tout droit des mille et une nuits et cachés dans le manche d'une raquette de tennis. Jennifer trouvait qu'elle était déséquilibrée, hein, Jen? Je comprends maintenant pourquoi. Vous laissez entendre que quelqu'un savait que les pierres précieuses étaient dedans? Oui. Mais bien sûr, comme on les a échangés, le voleur s'est retrouvé avec la mauvaise raquette. C'est exaltant! Oui, tout ce qu'il y a de plus exaltant. Et je me suis souvenue que les parents de Jen avaient été cambriolés, oui, juste avant que l'école ne reprenne. Donc, peut-être que le voleur en question était déjà à la recherche de la raquette de tennis. Excellent, Miss Upjohn! Vous pensez comme un détective. Oh. C'est quelqu'un qui était là-bas, Ramat, et qui a vu où les rubis étaient cachés. Oncle Bob avait une amoureuse, c'est peut-être elle. Une amoureuse, dites-vous? Apparemment, oui, une espagnole ou une française. Une danseuse du ventre, je crois. Angelica, oui, c'est ça. Mesdemoiselles, nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Oh, ça
Ça ne me dérange pas. La plupart des filles sont parties de l'école. La sacro-sainte institution parentale s'affole. Pauvre Jen, obligée de s'en aller cet après-midi. Oui, pas de chance. Juste quand c'était intéressant. Au revoir, mademoiselle. Angelica, l'ange, une coïncidence? Existe-t-il une telle personne? Un agent peut-être dans vos fichiers, monsieur Goodman? J'ai vérifié l'autre jour quand on a parlé de l'ange. Un agent avait bien ce surnom. Mais elle a été tuée il y a 10 ou 15 ans. Y avait-il une photographie d'elle? À une époque, oui, mais un incendie a détruit beaucoup de documents. Ah, je vois. Et les fichiers concernant la révolution de Rabat, serait-il possible que je les consulte? Oui, bien sûr. Je vais voir ça tout de suite. Merci. Avez-vous des nouvelles de Madame Upton, inspecteur? Ah, eh bien, quand Miss Bulstrode a dit qu'elle avait pris un autocar, j'avais imaginé une sorte de voyage organisé par une grande agence ou je ne sais quoi. Mais? Il semblerait que Madame Upton soit ce qu'on appelle un esprit libre. Elle est partie toute seule par ses propres moyens, avec seulement un sac de voyage décidé à voir le monde. On fait de notre mieux, mais trouver une Anglaise qui voyage seule dans un pays où ils doivent utiliser des poulets en guise de monnaie... Des nouvelles de l'hôpital, Miss Rich est revenue à elle. Ah. Miss Johnson dit que vous cherchiez d'éventuels indices expliquant la disparition de la princesse. C'est pour ça que vous étiez dans le pavillon? Oui. J'avais dans l'idée qu'elle était allée retrouver un garçon. Il y a des placards dans l'école, bien sûr, mais ceux du pavillon sont un endroit idéal pour cacher un secret. Le pavillon est fermé à clé la plupart du temps. Et avec tous ces policiers dans l'école... Ça va aller, miss? Je suis fatiguée. Seulement fatiguée. Dites-moi... Est-ce que par hasard, vous sauriez qui a bien pu me... Ce n'est pas Miss Chadwick, parce que c'est elle qui vous a trouvé. Miss Chaplin et Monsieur Goodman l'ont trouvé, elle. Ils ont passé la soirée ensemble. Quant à Miss Blake, elle était avec Monsieur Poirot. Miss Bulstrode était avec le conseil d'administration. Non. Je vous demande pardon? Poirot a vérifié. Sa réunion avec le conseil d'administration avait eu lieu ce matin. Or, Miss Bulstrode a quitté l'école à 19h30 hier. Très bien. Excusez-moi. Que savez-vous sur le professeur de français? Elle était couchée et n'a rien entendu avant que l'alarme ne soit donnée. Nous n'avons aucune preuve du contraire, mais Miss Chadwick dit qu'elle est sournoise. Elle a toujours eu une dent contre les professeurs de français. On passe à côté de ce qui est évident. La maîtresse de Rawlinson, cette fameuse Angelica, française. Oui. Au sujet de l'identité d'Angelica, je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Qu'allons-nous faire maintenant? C'est un véritable exode. Qui va bien pouvoir nous conduire vers la terre promise? Quoi? Qui comptez-vous désigner pour vous succéder, Honoria? Ah, voilà qui est purement théorique. Je ne pense pas que l'école survivra à ce scandale. Pourquoi cette question? J'ai vu votre note. Elle était encore sur la machine à écrire de Miss Chaplin. Je n'aurais pas dû regarder. Oh, Chadi, je n'ai pas d'opinion arrêtée. Je voulais seulement vérifier les références d'Eileen Rich. J'ai tout donné à cette école, Honoria. Je lui ai consacré ma vie entière. Je lui ai tout donné. Absolument tout. Chadi, je vais vous expliquer. Miss Bulstrode, je prends mon après-midi comme convenu. Ça n'a guère d'importance à présent, il reste peu d'élèves. Chadi, attendez, je dois vous parler. Miss Rich, où étiez-vous durant le dernier trimestre? Je vous l'ai déjà dit. J'étais malade. Une fois encore, quelle était la nature de votre maladie? Ce ne sont pas vos affaires. Poirot est au courant de tout, Miss Rich. Comment?
Cela n'a pas demandé beaucoup de travail à mes petites cellules grises, vous savez, pour faire le lien entre la perte de poids et l'émotion que vous avez manifestée à la lecture de ce très beau poème. Regarde, Lizzie. Regarde les petits hommes de la vallée. Leur présent maléfique. Leur présent maléfique nous feront souffrir. Courage, Miss Rich. Si vous saviez comme je le désirais, cet enfant. Mais je ne voulais pas perdre mon emploi. J'adore Meadowbank. Je suis donc partie loin, à l'étranger. Là où personne ne me connaissait. Et là, que s'est-il passé? Il est mort. Ouais, mort. Miss Springer a tout découvert. Je ne sais pas comment. Elle m'a tourmentée, persécutée. Elle y prenait plaisir. Oui, tout cela est fini maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Poirot? Vous me cachez des choses, vous me laissez volontairement dans le noir. Au contraire, inspecteur. Je veux seulement faire la lumière sur cette affaire. Il y a une certaine voiture dont Poirot a pensé à relever le numéro, et la voiture a été retrouvée ainsi que celui à qui elle appartient. Et donc, Poirot voudrait vous proposer une petite excursion dans un nightclub qui se nomme la Pantoufle de Verre. Oui, c'est à nouveau Maison Blanche. Vous voyez qui je suis? Je veux vous parler d'une facture qui ne m'a pas été réglée. Vous avez jusqu'à ce soir minuit. Non, vous avez eu assez de temps pour vous organiser. Si l'argent dû ne m'est pas payé, je me verrai alors dans l'obligation de dire à qui de droit ce que j'ai observé pendant la nuit du 16. Vous m'avez bien comprise? Oui, très bien. Où ça? Bonsoir, princesse Shaista. Elle est muette comme une carpe maintenant, hein, ma jolie? Je n'arrive pas à le croire. Elle est tellement différente, plus mature. Précisément. J'ai perdu le fil, Poirot. Elle a été kidnappée ou pas? Oui et non, inspecteur. La vraie princesse Shaista a été kidnappée en Suisse, où, à mon avis, elle doit toujours se trouver. Les révolutionnaires de Ramat ont envoyé un substitut à Meadowbank. Mais pourquoi faire? Oh, je crois que je sais. Si les bijoux du prince quittaient Ramat grâce à quelqu'un d'honnête, alors, tôt ou tard, ils allaient être remis à la princesse. Son oncle, l'émir, était en Égypte et n'avait pas prévu dans l'immédiat de venir en Angleterre. La fausse princesse pouvait donc attendre qu'on vienne lui remettre un certain paquet. Un jour, j'ai demandé à Miss Bulstrode si elle avait remarqué les genoux de la princesse. Les genoux? Mais oui, les genoux donnent une très bonne indication de l'âge, inspecteur. Par exemple, les genoux d'une jeune femme de 24 ou 25 ans ne peuvent pas être confondus avec ceux d'une jeune fille de 14 ou 15 ans. Personne, hélas, à part Poirot, n'a remarqué ses genoux. Mais le plan n'a pas fonctionné, n'est-ce pas, jeune fille? Personne n'est entré en contact avec vous. Pas de lettre, pas d'appel. L'émir pouvait rentrer d'Égypte à tout instant et donc se rendre compte que la princesse était un imposteur. Le moment fatal arrive donc. L'autre partie du plan est alors déclenchée. Shaista a été officiellement kidnappée. Où êtes-vous allé? Vous travaillez pour les révolutionnaires? Oui? Admettez-le. Vous avez fouillé la maison de la mère de Jennifer. Ne trouvant rien, vous avez reporté votre attention sur l'école. Vous pouvez pas me garder. J'ai des droits, moi je le sais. Eh bien, on verra ça. La fausse Shaista aurait pu bien sûr avoir tué Miss Springer. Mais je ne crois pas qu'elle ait eu des raisons de tuer qui que ce soit, non. Son rôle était seulement de recevoir un paquet de grande valeur qui n'est jamais arrivé. Et pourquoi? Parce que personne ne savait exactement comment les pierres précieuses du prince avaient été sorties de Ramat. Personne ne savait, à l'exception d'un seul individu.
Vous feriez bien de ne pas jouer à ce jeu-là avec moi. Donnez-moi l'argent et je retournerai en France. Personne n'entendra plus parler de moi. Et je ne dirai jamais ce que je sais. J'en ai assez de jouer au chat et à la souris, y compris. Ça commence vraiment à m'agacer. Donnez-moi ce que vous me devez et je vous promets que je vous... Pour vous, inspecteur. Un peu de lumière dans les ténèbres. Ah, elle est arrivée, c'est cela. Oui, on va peut-être pouvoir avancer. Non, 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 inspecteur. Ce n'est qu'une garantie supplémentaire. Notre affaire est déjà résolue. Il pourrait sembler qu'il y ait une sorte de vendetta dirigée contre les professeurs de Meadowbank. Mais je peux vous assurer qu'il n'en est rien. On a bien failli le croire. Il y a eu ici deux meurtres, une tentative de meurtre, et ce qui pourrait passer pour un kidnapping. Mais je crois savoir que Miss Bulstrode vous a déjà expliqué ce pseudo-enlèvement, non ? Oui. Je vous l'avais bien dit. Ce soutien-gorge bizarre qu'elle avait. Tout au long de cette affaire, le principal problème était d'écarter de notre chemin ce qui est sans rapport avec le sujet et qui, bien qu'étant de nature criminelle, occultait ce qui était, en fait, le plus important. Le fil qui devait nous conduire à un assassin déterminé, impitoyable, et qui se trouve parmi vous. Un chat parmi les pigeons. Toute cette affaire a commencé à Ramat, où, comme vous le savez toutes, a eu lieu le coup d'État des forces révolutionnaires, voilà maintenant quelques mois. Or, en même temps que ce fameux coup d'État, des pierres précieuses d'une très grande valeur, qui appartenaient au prince Ali Youssouf, ont été sorties discrètement du pays et certaines personnes étaient très désireuses de mettre la main dessus. Je sais maintenant, grâce au dossier des services secrets, que le grand ami du prince, un certain Bob Rawlinson, était épié, observé dans le plus grand secret. Quelqu'un a vu ce monsieur passer 20 bonnes minutes dans la chambre d'hôtel de sa sœur, Madame Sutcliffe, venue le voir depuis l'Angleterre. Mais sa sœur n'était pas dans sa chambre. Pourquoi passer 20 minutes dans une pièce vide ? Parce que Bob Rawlinson cherchait désespérément un moyen de faire sortir ces pierres précieuses du pays en attendant des jours meilleurs. Donc, il cache ce trésor dans les bagages de sa sœur. Les forces révolutionnaires ont fini par savoir que Madame Sutcliffe avait ramené les pierres précieuses en Angleterre. Par conséquent, sa maison a été cambriolée. Mais Poirot affirme que quelqu'un d'autre savait exactement où étaient ces rubis. En effet, ils étaient cachés dans le manche de la raquette de tennis appartenant à la fille de Madame Sutcliffe, Jennifer Sutcliffe. Ouais. Et c'est Jennifer qui a rapporté cette raquette de tennis ici, dans ce pensionnat. Mais une personne parmi vous savait très bien où étaient les pierres précieuses. La chambre de Jennifer Sutcliffe ayant été déjà fouillée en vain, cette personne a décidé de poursuivre ses recherches dans le pavillon de sport durant la nuit, alors que tout le monde, pensait-elle, dormait. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait Miss Springer qui veillait. Elle a suivi cette fameuse personne.
Elle l'a certainement affronté de la façon dont elle s'y était déjà prise dans le passé. Bon, elle devait y prendre un certain plaisir, vous qui connaissiez Miss Springer. Elle avait un côté sadique, non? Elle avait déjà averti le personnel de Meadowbank en des termes à peine voilés qu'elle adorait provoquer des scandales. Elle tenait déjà entre ses griffes plusieurs enseignantes parce qu'elle connaissait les petites faiblesses de chacune. Mais naturellement, elle ne savait rien au sujet des pierres précieuses du prince. Non, elle se sentait en sécurité et pleine de suffisance. On ne sait pas grand-chose de vous. Elle prenait plaisir à voir sa nouvelle victime se tordre. Comme un ver de terre au bout d'un hameçon d'une canne à pêche. Mais elle a eu le tort de ne pas tenir compte de la personnalité de sa victime. Une personne très froide, sans aucune pitié. Une tueuse. Qui voulait la réduire au silence. Miss Blake, par exemple, qui a mis un tel soin, une telle application, à créer une figurine représentant le professeur d'éducation physique, tant détesté, et qui se défoulait en transperçant cette poupée de chiffon encore et encore et encore. Pourquoi faisait-elle une chose pareille? Je vous écoute. Dans l'école où j'étais avant, il y avait un garçon, un élève. Nous n'aurions pas dû, c'était déplacé. Il ne s'est pratiquement rien passé, mais j'ai dû partir. Un véritable déchirement. Je ne sais pas comment Springer l'a découvert, mais elle a fait de ma vie un enfer. Je lui aurais volontiers enfoncé ce javelot dans le cœur, Monsieur Poirot. Mais non, non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas assassiné. Non. En étant un peu psychologue, on voit bien que vos penchants sont créatifs, non destructifs. Non. Non, ce n'est pas Miss Blake qui a assassiné Miss Springer. Retournons à présent à la nuit où le meurtre a eu lieu. L'assassin doit agir vite, parce qu'à tout instant, il peut être dérangé. Alors la raquette de tennis appartenant à Jennifer Sutcliffe est trouvée. Elle est saisie. Et ensuite, le criminel disparaît. Dans la nuit. Mais bien sûr, ce que l'assassin ignore, c'est que quelques heures avant, Jennifer Sutcliffe avait échangé sa raquette avec celle de Julia Upjohn. Et qu'elle avait également échangé les étiquettes portant leur nom. Et maintenant, venons-en au deuxième incident. Je veux parler de l'agression de Miss Rich, qui a failli tourner à la tragédie. Pourquoi étiez-vous dans le pavillon des sports ce soir-là? J'avais dans l'idée de fouiller le placard de la princesse Shaista pour trouver des indices pouvant nous conduire à elle. Hein? Bon. Oui, mais quelqu'un vous a suivi. Et vous a frappé par derrière avec un sac de sable, alors que vous étiez agenouillé devant le placard de la princesse. Qui a bien pu vous assommer? Et à nouveau, ce crime a été découvert pratiquement tout de suite par Miss Chadwick. Vous avez vu de la lumière dans le pavillon et vous vous y êtes précipité, hein? La plupart d'entre vous avaient un excellent alibi, mais où donc était Miss Bulstrode ce soir-là? Sa réunion avec les membres du conseil d'administration n'avait lieu que le lendemain matin. Or, elle a quitté l'école à 19h30. Donc, c'était peut-être Miss Bulstrode qui a assommé Miss Ridge. Non. Non, parce que Miss Bulstrode était chargée d'une mission très délicate. Nous avions découvert en effet que la pauvre maman de l'une d'entre vous passait sa vie dans un asile d'aliénés. Vous saviez? Oui, ma chère. Une personne m'en avait informé. À l'attention de A. Chapland. Mêmes initiales, alors il fallait que je vérifie. D'autant plus qu'une rumeur circulait, disant que quelqu'un parmi vous n'était pas à sa place ici.
Il nous reste maintenant à nous pencher sur le meurtre de Mademoiselle Blanche. Je pense qu'elle connaissait l'identité de son assassin. Mais rien, rien n'est plus dangereux que de vouloir faire chanter un assassin qui a déjà tué au moins une fois. Mademoiselle Blanche avait pris rendez-vous avec le criminel, bien sûr. Elle a été tuée. Et voilà, mes amis, c'était le récit de toute cette affaire. Et maintenant? Eh bien, voyons les choses d'un peu plus près. Pour savoir que les pierres précieuses du prince Ali étaient cachées dans le manche d'une raquette de tennis, il n'y a qu'une seule possibilité, que la personne ait vu Rawlinson les cacher. N'importe laquelle d'entre vous aurait pu être à Ramat durant l'été. Vous, par exemple, Miss Rich? Non. J'étais malade durant le dernier trimestre. Durant un trimestre, oui, mais en été, vous auriez pu vous trouver à Ramat. Mais vous savez très bien où j'étais. Vous aviez promis. Arrêtez. Vous ne croyez pas qu'elle a déjà suffisamment souffert? Pourquoi devons-nous assister à toute cette comédie ridicule? Monsieur Poirot, je proteste. Miss Rich n'était pas à Ramat. C'est certain, nous avons pu le vérifier. Quelqu'un y était pourtant. L'ange y était. Et maintenant, Poirot va vous présenter une personne très importante dans le cadre de notre affaire. Peu d'entre vous la connaissent. Madame Upjohn. Oui, la maman de Jennifer Upjohn. Il y a quelques années de cela, elle était un membre des services secrets britanniques. Des services secrets? Mais oui. Vous savez, le jour où Poirot a remis le trophée à l'équipe de la crosse, Madame Upjohn avait reconnu un visage dans la foule. C'était le visage d'un agent vraiment très dangereux. Un tueur. Une personne connue sous le nom de l'Ange. Qu'elle croyait morte depuis très longtemps. Elle a rejeté cette idée, simple ressemblance, rien de plus. Mais l'une des enseignantes observait la scène avec beaucoup d'intérêt, Miss Springer. Elle réalise à ce moment-là que l'Ange a été identifié et qu'il est parmi nous et bien en vie. Je soupçonne l'Ange d'avoir travaillé pour les forces révolutionnaires de Ramat, d'avoir sapé les fondations du gouvernement du prince Ali Youssouf en établissant une relation passionnelle avec celui qui était l'ami intime du prince Ali, Bob Rawlinson. Et puis un certain jour, par le plus grand des hasards, elle voit quelque chose d'extraordinaire. Un véritable trésor qui la mettrait à l'abri pour le restant de ses jours. Elle décide alors de récupérer ses pierres précieuses pour son propre compte. Sans en parler à quiconque, et non en tant que laquais des forces révolutionnaires. Qui cela peut-il bien être? Vous, Miss Anne Chapland. Quoi? Vous avez vécu une vie très dangereuse. Vous n'avez jamais été soupçonné sous votre réelle identité. Tous les emplois que vous avez occupés étaient de vrais emplois. Mais vous poursuiviez un seul but, obtenir des renseignements. Depuis l'âge de 17 ans, vous êtes un agent secret. Vous avez travaillé pour divers patrons sous diverses identités, mais c'est sous le nom d'emprunt d'Angelica de Bouc, une danseuse de cabaret française, que vous avez passé l'été à Ramat. Vous dites n'importe quoi. Monsieur Poirot, c'est impossible. Impossible? Non! Vous n'avez pas pu récupérer la raquette de tennis là-bas à cause de l'évacuation des sujets britanniques. Obtenir un poste de secrétaire dans cette école n'a pas dû être très difficile. Je suppose que vous avez offert une coquette somme à l'ancienne secrétaire de Miss Bulstrode. Vera? Oui, pour qu'elle quitte son poste. À partir de là, tout devenait facile. Hein? Qu'une raquette de tennis vienne à disparaître, ce n'était pas grave. Plus simple encore, vous pouviez désormais avoir accès au pavillon des sports la nuit et là extraire les pierres précieuses du manche de la raquette. Mais c'était sans compter
sur Miss Springer. C'est une histoire de fou inventée par vous. Miss Bulstrode, vous n'allez pas croire cette idiotie. De toute façon, où sont vos preuves? Vous n'en avez pas la moindre. Maintenant, inspecteur! Maintenant! Là! C'est elle! J'avais raison! Elle. Posez cette arme! Non, miss. Hors de question. Non! Vite, appelez un médecin! J'y vais, j'y vais! C'est grave, c'est très grave. Oh, je l'ai fait pour l'école. Jadi. Pour l'école. À cette époque, elle était très jeune, mais très dangereuse. Sale garce. Sale garce! J'ai reconnu son visage que j'avais vu dans les dossiers. Mais elle était morte! Tuée lors d'une mission en Silésie. Qu'est-ce que l'on vous a fait croire? L'ambulance va arriver. Il faut qu'il l'emmène directement à l'hôpital. Si j'avais cru ça de vous. Quoi, beau gosse? Tu pensais avoir fait une touche? J'en ai mangé de meilleur que toi pour le petit déjeuner. Tu n'étais qu'une petite douceur en attendant que j'arrive à m'enfuir. C'est cette gorgone de Springer qui a tout fichu en l'air avec son indiscrétion. Ah! Qu'est-ce que vous voulez? Oh, ne craignez rien. Votre secret est bien gardé. Pour l'instant. J'ai dit qu'est-ce que vous voulez? M'amuser. Oh, non. Oh! Elle souriait beaucoup moins après ça. Mais vous n'aviez toujours pas les rubis. Plus tard, Mademoiselle Blanche a essayé de vous faire chanter et vous l'avez tuée. Ça vous vient si naturellement de supprimer tous ceux qui vous gênent. Je tue comme je respire, chérie. Inspecteur, embarquez-la. Anne Chaplin, je vous arrête pour le meurtre de Grace Springer et de Elise Blanche. Oh, Miss Chadwick. Oh. Tenez bon. Oh. Monsieur Poirot. Je ne comprends pas. L'agression de Miss Rich n'est toujours pas expliquée. Ça ne peut pas être Anne parce que nous... Nous avons passé toute la soirée ensemble. Oui, c'est exact. Non, ce n'est pas elle qui a essayé de tuer Miss Rich ce soir-là. Mais alors qui a bien pu vouloir me tuer? Je crois qu'elle aimait trop cette école. Et lorsque j'ai parlé de prendre ma retraite... Elle a pensé qu'elle était la seule à pouvoir prendre la relève. Mais elle est bien trop âgée, elle aurait dû s'en rendre compte. Oh, elle n'était plus en mesure de penser clairement. Quelque chose a dû se briser dans son pauvre esprit. Une nouvelle fois, elle voit de la lumière dans le pavillon. Elle se dit qu'elle va montrer de quoi elle est capable en attrapant l'assassin. Elle prend un sac de sable qui était dans un seau à incendie. Et que voit-elle? Eileen Rich, sa rivale. Alors, tout le ressentiment, toute la tension accumulée les dernières semaines ont tout à coup explosé. Ce n'était qu'un moment de folie. Miss Chadwick n'a pas une arme de tueur. Elle a raconté à la police l'exacte vérité, sauf en ce qui concerne l'auteur de ce geste insensé. Elle n'a pas dit que c'était elle. Immédiatement, son esprit s'est rebellé. Elle n'acceptait pas ce qu'elle avait fait. Et c'est pourquoi Anne Chaplin a aussi utilisé un sac de sable pour tuer Elise Blanche. Précisément. Anne Chaplin. Une jeune femme vraiment très intelligente.
Une deuxième agression tombée du ciel pour laquelle elle avait un excellent alibi. Ensuite, elle a tout fait pour qu'un lien soit établi entre cette agression et le meurtre de Mademoiselle Blanche. Quoi de plus normal pour les enquêteurs de penser qu'en fait, il s'agissait du même assassin. Bonjour, Chatty. Je voudrais vous dire quelque chose. Aileen Rich. C'est moi. Oui, il est. Oui, je sais. Jalousie. J'ai. Oui, je sais, je sais. Jamais je ne pourrais me pardonner. Vous m'avez sauvé la vie, Chatty. La mienne ainsi que celle de Madame Upjohn. Ça n'est pas rien, cela. Tout ce que je voulais, c'était donner ma vie pour sauver votre la sienne. Oui. Pour compenser. Vous l'avez fait, mon ami. Vous l'avez fait. Souhaitez-vous que je m'en aille dès à présent? Ou préférez-vous que j'attende la fin du trimestre actuel? Je vous demande pardon? Je suppose que maintenant, vous savez pourquoi j'étais absente l'an dernier. Vous restez jusqu'à la fin du trimestre. Et si nous sommes encore là pour le suivant, ce que j'espère, vous continuerez à nos côtés. Vous voulez toujours de moi? Bien sûr que je veux de vous. Vous n'avez tué personne que je sache. Oh non! L'enseignement est votre vocation, je le sais. Il nous faudra 3 ou 4 ans pour rebâtir notre réputation. Nous, c'est-à-dire? Je vous propose un partenariat. Vous aurez des idées différentes, bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Nous ne serons pas toujours d'accord sur tout. Non, bien sûr, nous n'avons pas à l'être. Monsieur Poirot, ai-je fait le bon choix? Oui. Poirot, on était arrivé à la même conclusion sur Miss Rich il y a quelque temps déjà. Hélas. Il est temps maintenant pour Poirot de prendre congé de vous. Au revoir, Miss Rich. Merci pour votre aide. Je n'ai rien. Dites-moi, Miss Bulstrode, l'envie de relever un défi est à nouveau là, non? Oh oui. Je donne le meilleur de moi-même quand il faut lutter. Meadowbank sera à nouveau l'école la plus réputée de toute l'Angleterre. N'arrivez pas. Je suis ravi qu'on ait réussi à résoudre cette affaire compliquée. Au revoir, inspecteur. Au revoir, monsieur. Sur le coup, j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose, mais on m'a tout de suite rassuré. Madame Upjohn. Oh, monsieur Poirot. Vous pouvez être fier de votre petite Julia. Elle a fait preuve d'un grand courage. Oh, ça, ce n'est rien, monsieur Poirot, à côté de ce qu'a fait ma maman. Agent secret. Et moi qui n'en ai jamais rien su. Oh, ma chérie, pas tout à fait. Elle m'a tout raconté sur le coup de feu tiré par Miss Chapland. C'est vachement excitant. Oh, Julia. Oh, jeune fille. Je suis désolée. Mais c'est vrai. Ça va être ennuyeux ici maintenant qu'on ne va plus trouver des gens assommés tous les 4 matins. Vous allez retourner en ville? Hélas, oui. J'ai un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. C'est au sujet de certaines pierres très précieuses qui doivent être rendues. Oui, ces rubis, c'est une vraie merveille. Oui. On ne pourrait pas les mettre dans un musée pour les admirer? Ou ailleurs? Ah non, mais non, non. Ces pierres précieuses doivent être rendues à leur propriétaire, la vraie princesse Shaista, qui vit une vie plutôt agréable dans un chalet suisse. Eh oui. Mais en remerciement de votre précieuse aide dans cette affaire très dangereuse, j'ai été autorisé à vous offrir, à vous, chère jeune fille, un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de gros bonbons que les adolescents adorent. Ah, oh. Super. Dis merci à Monsieur Poirot, Julia. Merci. Mais je vous en prie, Miss Julia. Ah, jeune demoiselle, faites attention quand vous mangerez le rouge.
Il est un peu dur pour les dents.